je suis au marché de Choisy-le-Roi. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, alors pas l'alimentation, hein, tout ce qui se trouve en extérieur. Et j'espère que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, c'est entièrement gratuit. Et puis pour soutenir ma chaîne, pour me soutenir, ça fait plaisir. Donc ce marché se trouve jusqu'en face de la gare. Là, il y a beaucoup de monde, donc on va s'enfoncer dans le marché. Et à chaque fois, il y a des nouveaux stands, des nouveaux commerçants. Donc je vais essayer de tout vous montrer et écoutez, suivez-moi jusqu'au bout. Alors là, tout de suite, je vois des pantalons à 3 euros. Je vais voir la marque. Eleganta de luxe. Ces pantalons, taille 36. Hein. C'est ciré. Hein. 3 euros. Mais le noir, c'est un jean, hein, par contre. Mais les beige, c'est pas des jeans, hein, c'est des toiles cirées. À côté, vous avez les robes. Ouais, c'est ça. Hein, je vérifie toujours si c'est pas des shorts. Ouais, des petites robes noires pour les femmes. Et tout le stand là, tout le portique, je veux dire, est à 3 euros. En bleu. Style. Déshabillé, kimono. On a un autre portique ici, 12 euros. C'est des jogging, j'adore. C'est tout doux, c'est du velours. C'est quelle taille? Ça a l'air d'être une petite taille, hein, les jogging. Il y a du rose, du gris, du beige. C'est vraiment sympa, mais ça m'a l'air quand même d'être des petites tailles. Vous voyez, marqué j'adore sur le côté. SM, ouais, c'est ça, c'est du SM. Celui-ci, différent. Alors, là, vous avez du 20 euros. C'est un gilet. Et ça, c'est le pantalon. C'est original, là. C'est l'ensemble. Hein. Regardez. Alors vous avez un autre ensemble, donc le sweat long. Et c'est toujours le pantalon. Ils sont vraiment originaux, ces ensembles, si vous cherchez des ensembles. Là, vous avez du velours. Blanc, gris, beige, marronné. Ce gris-là est vraiment sympa, donc c'est l'ensemble. Et là, à 6 euros, c'est un pull. Je vérifie. Non, c'est une robe. Une robe, regardez. Vert, rouge, noir. Elle est pailletée au niveau des manches. Regardez, c'est original. Ça peut même être une robe de fête. Hein. Attendez. Regardez. Elles sont comme ça, les robes. Elles sont à 6 euros. Je les trouve assez originales. Et à côté, il y a aussi des pulls. Et des gilets, le cardigan là, jaune. Il est très sympathique. Petite paillette là. Oui, il y a des pulls, des robes, des gilets. Le petit pull là. Trop mignon. Petit lapin avec des perles. Et c'est pailleté, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour 6 euros, ça vaut le coup. Hein. Regardez, toujours 6 euros. Là, c'est col roulé. Ça m'a l'air d'être... Ouais, non, c'est une robe. Un pull. Oh, celui-ci. Regardez comme il est beau. Ah, il est vraiment beau. Je sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime beaucoup. Une petite souris, là. Il est magnifique. Oh, vraiment magnifique. Et celui-ci, et puis il est doux, mais doux. Pour 6 euros. Ça, c'est long, c'est bien. En plus, c'est col roulé. Et là, vous avez 15 euros. C'est des manteaux, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Moutarde. Et là, vous avez les gilets longs en laine.
Non, c'est un beau stand là. Attendez, il y a un jaune vif là qui m'attire. C'est quoi? C'est un gilet avec les poches. €7 les gilets longs là. Moi j'aime bien tout ce qui est paillettes. Hein. Vous voyez, ça c'est €10 la robe là. New collection. Elle est de quelle taille? Ah merci. Taille M. Les robes c'est €10. Regardez. Je vous la mets devant si ça vous intéresse. Ah pardon, j'ai fait bouger. €10 la robe. Elle est pas mal, hein. Alors ensuite, on va trouver les caddies, les valises, les sacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les sacs comme ça aussi, là. On peut mettre 10 milliards de choses dedans. Vous voyez, les valises. Ils sont à roulette, hein. J'ai jamais su combien coûtaient ces sacs. J'ai pas compris. Valises, des sacs. Et voilà, il y a tout. Comme dit le monsieur, il y a tout. Il y a les sacs à main aussi. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montre les sacs à main, si ça vous intéresse. Celui-ci, il est argenté, noir. Ah, petite fleur, j'avais pas vu. Rose. Rouge. Je sais pas combien il faut. Oh, ça s'ouvre, ça. J'aurais pas à l'ouvrir. C'est un aimant, je crois. Ça, c'est une imitation d'Yves Saint Laurent. Il flash, hein, celui-ci. Hein. Regardez. Il est très... Ah oui, mais ils sont pas mal à l'intérieur. Il y a un zip, hein. Ils sont à combien les sacs, monsieur? 8 €. Si vous voulez un sac à main habillé, 8 €. Il y en a d'autres aussi, là, hein, des sacs. Ah, il y a le vert, là. 8 €. Bon, on continue, je vois des... Qu'est-ce que c'est là-bas? Je crois que c'est des nappes. Attendez, on y va. J'avance, j'avance, droit dessus... Des toiles cirées. Ah ouais, c'est des rouleaux de toiles cirées, je crois. Ouais, c'est ça, de loin, c'est ça. Des rouleaux de toiles cirées. 6. Faites ça. Et là, c'est les petits sacs pliants, là, les tote bags. Ça coûte combien, ça? 1 €. Ouais, ça se replie, ça, c'est très pratique. Vous avez les montagnes de papier toilette. Et à 3 €, vous avez les petits chaussons. 3 €. Oh, celui-là, il y a marqué Love. D'un côté, 1 € aussi. 5 € la boîte là pour mettre les Kleenex. Vous l'avez argenté, noir. 1,50 c'est quoi ça? Je vérifie si c'est du... Ouais, c'est ça, papier adhésif marbre. Parce que des fois, je confonds, je dis papier adhésif, c'est papier cadeau. Alors, il faut être précis. 1,50 le kit vaisselle. Qu'est-ce qu'on a d'autre au bazar? 2 € les tasses. Et vous trouvez des pailles aussi. Ça, c'est pas mal. Si vous voulez encore des pailles en plastique, ils en ont là. Je vais acheter des pailles. Waouh, ça, ça m'intéresse, les pailles, parce que j'ai un mug. Et c'est plus pratique en conduisant d'avoir une paille. Vous avez les planches à découper. Ça dépend. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai beau forcer la voix, mais il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est les couverts en plastique. Bon, les cocos, là, je vais acheter des pailles. Ça m'intéresse. 5 €, c'est quoi ça? Ah, c'est pour infuser le thé. Le thé, vous voyez, de loin, je n'ai pas compris là. Bon, ben moi, je prends les pailles, hein, c'est clair. Vous voyez, je fais une vidéo et je trouve des pailles. Des vaporisateurs en plastique, 1 €. Si vous avez besoin de vaporiser pour les plantes, même pour le linge, et vous avez 5 €. 6 en 50.
Merci. Il y a plein de choses. Il y a des piles aussi, des ampoules à 2,50. Bon, c'est le bazar avec tout. Hein. Ah, ça, c'est pour recouvrir les machines. Alors, ça peut être pas mal, ça. Ça fait moins de bruit, entre guillemets. Bon, on repart sur des vêtements. 15 euros, regardez. C'est de la fausse fourrure, hein, bien évidemment. Made in Italy. C'est la veste. Vous l'avez en noir, en mauve, en bleu ciel. Et je vois du pantalon sympa à 6 euros. Couleur kaki, marronné. Ouais. Kaki. Il est sympathique. L'atelier de Mila à Paris. Ouais, il est vraiment bien coupé. Hein. Alors là, je peux vous assurer, il est très très bien coupé pour un pantalon à 6 euros. Et l'atelier de Mila, 10 euros, vous propose le chemisier. Tout en douceur. Ça a un effet. Vous voyez les manches, un effet chauve-souris. Vraiment sympa. Là, vous avez une robe Vichy. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, la robe, vous l'avez Vichy rose ou Vichy bleu. Ça, c'est 4 euros, le poncho, là. Pas mal à manche, le poncho à manche comme ça, si vous voulez vous pelotonner dans un poncho. Et là, vous avez des pantalons tout simples de jogging. Vous voyez, enfin, c'est plutôt des couleurs vives, hein. Orange, rose, bordeaux pour le poncho, pour le jogging, pantalon de jogging. Et à 6 euros, vous avez des chemises, mais elles sont habillées parce que regardez la finition des manches. Vous voyez, vous les avez, je vous la montre, c'est la chemise longue, très habillée, taille S. Elles sont à 6 euros. Vous avez du blanc. Regardez celle-ci en rose poudré. Pareil, hein, des boutonnages très très habillés. C'est du S, mais c'est une belle matière. Ça fait qualitatif. Hein. Vous avez également, hop, des robes en haut. Elles sont légères, hein, les robes. Et là, vous avez des pulls. Alors là, oh non, des gilets. Vous voyez, il faut toujours s'approcher parce qu'après, hop. Alors, la coupe est magnifique. Ça, moi, j'aime beaucoup ce genre de coupe. Il est très, très beau, le gris. Je vais vous dire le prix tout de suite. Hop. 7 euros, ni repris ni échangé. Le gris, je le trouve sublime. Regardez, ça affine tout de suite une taille. Ils sont made in Italy. Il y a différents coloris. Il y a Parme, ils sont bien coupés. Hein. Je vais aller voir l'étiquette. 50% viscose, 22% nylon, 26% PVT. Ouais, franchement. Au toucher, vous avez de la belle matière. Là, je suis dans un stand. Je suis plus sur la fin du marché. Franchement, on a de la belle matière. Le jaune, le jaune. Puis regardez au niveau des manches. Waouh. Alors là, on a des robes. La robe jaune, là. Made in Italy, regardez. Elle est belle, hein. Elles sont à 7 euros, les robes. Vous avez différents coloris pour les robes. Elles sont pas longues, hein. Elles arrivent à peu près, je dirais, au genou, un peu avant. Et vous avez manteau, effet suédine. C'est quelle marque celui-là? Jolico. En fait, Made in Italy, c'est de la belle qualité. Hein. 7 euros, là, le pull. Fashion Made in Italy, il est très très beau. Ah, celui-là, regardez, couleur automnale. Ouais, monsieur, je fais. On fait publicité, le monsieur l'a dit, fait publicité. Faites coucou, monsieur. Voilà. Non, et c'est très, très... Elles sont beaux, les pulls. Regardez. Ils sont très, très beaux. Regardez l'effet des manches et le bas. Là, franchement, c'est de la belle qualité. 7 euros ici. Ah oui,
Regardez. Là, il a vraiment de la très très belle qualité, le monsieur. C'est des produits made in Italy pour le prix. Et au toucher, on le sent. Hein. Regardez l'originalité du col ici. Le pull. Ah oui, oui. Vous trouvez de la qualité là. Des fois, c'est pas le cas, mais là, on l'a. Vraiment, on l'a. Regardez le gilet là, l'eau. Ah ben, je vous le montrais tout à l'heure, mais je vous le montrais pas très bien. Voilà, je l'ai. Il est pendu. Le monsieur me l'a montré. Regardez le chemisier. Oh, comme il est sympa, il fait chauve-souris. Ah oui, non, mais là, ça me fait. Il y a plein de choses qui me font de l'œil. Alors, bien sûr, vous avez trouvé tout un tas de couvertures, de plaids, etc. Il y a plein de vêtements. Là, je crois que je suis dans le rayon vêtements. Ou attendez, il y a des grosses doudounes également. Et c'est plus la saison, mais regardez comme c'est classe, c'est habillé. Vous avez les doudounes, manches longues, manches courtes, 10 euros. Si. Alors, c'est très joli, c'est très beau, mais je vais être cash, c'est de la moins bonne qualité que l'autre. Bon, après, la veste en jean est très bien. Mais l'autre, waouh, c'était... Waouh, sublime. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Bon, on continue les cocos. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous me suivez. Franchement, il y a du monde. Il y en a un peu moins parce qu'on est sur la fin du marché. Mais là, le stand de vêtements, j'ai trouvé sublime. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fera très plaisir. Et puis je vais continuer parce que je vois un stand que j'ai pas encore fait, que je te vois pour la première fois. Parce que en fait, c'est pas toujours les mêmes stands. Hein. J'ai le soleil dans l'œil, excusez-moi. En plus, mes lunettes tombent là, glissent. Bon, je vous emmène voir un stand qui est assez sympa. C'est pas des vêtements, mais on y va. Je vais pas vous montrer que des vêtements, mais franchement là, les pulls, si je craquais pas, je les prendrais bien. Allez, vous me suivez ? Effectivement, c'est pas des vêtements, c'est du tissu au mètre. Donc voyez, le monsieur il coupe. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez Kuhn, moi j'adore Kuhn, mais en ce moment bon, j'en fais pas. Mais voyez, c'est des rouleaux et coupe au mètre. Bon, on continue parce qu'il y a encore pas mal de choses. Il y a de quoi faire. Alors, voyez, si vous aimez coudre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tissus. Vous voyez, vous pouvez faire vos rideaux, vous pouvez faire des robes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Et il suffit de chercher parce qu'il y a de la qualité. Hein. Et il y a même, là, je vais vous montrer des galons, des choses comme ça. Vous voyez, il y a tout un tas, fermetures éclair, galons, tout ce qu'on veut. Donc, si vous êtes branché couture, vous voyez, avec ça, vous pouvez faire un pantalon. Hein. Ça, c'est une matière, ça peut vous faire un jean, une jupe. Après, faites attention, hein. Si vous voulez faire de la couture, pensez bien à rajouter un peu plus pour la coupe, si vous vous trompez, quoi. Vous voyez, il prend son mètre et puis il coupe. Et c'est 2 euros, là, au mètre, celui-ci, là. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté, si ça vous intéresse. Regardez, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Alors, si vous avez besoin de... pour la couture. À une époque, il y avait aussi des boutons, il y avait tout un tas de choses. Il y a l'élastique également. Fermeture éclair. Après, certaines personnes vont aussi des fois chez Emmaüs pour récupérer des vêtements et puis ils découlent les fermetures éclair, les boutons, voilà. Mais moi j'aimais beaucoup coudre, j'aime toujours coudre, mais en ce moment je ne couds pas. Ça peut habiller un vêtement, hein. Il est fabuleux ce stand. Voilà. Il y a du choix. Après c'est très coloré, c'est un style particulier, mais il y a du choix. Celui-ci, là, il est pas mal. Hein. Ça peut faire un niveau du col. Ça peut être sympa. Ça, c'est plus de la cordelette. Donc, plutôt pour du rideau. Ça dépend ce que vous faites, en fait. Les paillettes, c'est pareil. Ça, vous faites une djellaba ou ce genre de choses. Il y a beaucoup, regardez. Il y en a de partout. Bon, je continue. Regardez, là, dans ce bazar, on trouve même... des vases, des soliflores, des articles pour aller à la pêche.
voyez, hop, il y a de tout. 2,99€ les lingettes désinfectantes pour faire du sport. Les cadres photos, les petites assiettes. Ah, franchement, il y a de tout. Là, c'est pour les plantes. 6,99€, regardez. Voilà, bah après, il y a toujours un milliard de choses. Hein. Je vais clôturer là, la vidéo. Tiens, c'est Barbie, ça, un sac Barbie. C'est quoi, ça? 3,99€, c'est pour couvrir les motos. Là, vous avez tout un tas de sacs. Voilà. Ici, vous avez des bottines. Après, c'est le bazar. Il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, dans ce stand. Il faut fouiller. Il faut se faire plaisir. Là, il y a des DVD. Ça, c'est si vous voulez pour vos enfants. Par exemple, ça, c'est 50 centimes. C'est les confettis. Les confettis, 99 centimes. Après, dans les bazars, on cherche. Et on trouve ou on ne trouve pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit classeur. Alors, tout Titi à 99 centimes. Petite coque de téléphone. Décoration à l'air, 75 centimes. Vous avez des tirelires. Il y a beaucoup de choses. Des décos, là, 75 centimes. Après, des fois, on trouve des trucs intéressants. Hein. Bon, les coques de téléphone, faut tomber bien. Attendez, c'est quoi ça? Petit bonhomme, 50 centimes. Petite babiole pour les gosses. Là, vous avez des petits disques, là, 99 centimes. Ça fait cher, là, deux petits disques. Voilà. Le bazar, il y a toujours plein de choses. Vous en avez d'autres, là. C'est quoi ça? 1,50€. Je vais finir sur le bazar parce que là ça fait une grande vidéo. Puis dans les marchés on peut ne jamais s'arrêter. Là c'est des livres. 99 centimes gâteaux familiaux au chocolat. Si ça vous intéresse, gâteaux algériens. Tout un tas de livres. Bébé, recettes équilibrées. Vous avez des livres. Puis voilà, on s'arrête sur les livres. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Hein. Alors j'espère que vous allez bien. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et puis lâchez un petit pouce et prenez bien soin de vous les cocos. À bientôt.